14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Martine, une jeune secrétaire de 24 ans, a disparu depuis une semaine à Ramonville-Sainte-Agne. Une disparition plutôt mystérieuse. Traces de sang sur les murs et sur les escaliers dans son appartement, cris que les voisins auraient entendus. Et enfin, Martine serait partie subitement en laissant son fer à repasser branché et son petit déjeuner intact. Bonjour, il y a 35 ans, presque jour pour jour, disparaissait Martine Escadellas, une jeune secrétaire de 24 ans. En une poignée de minutes, Martine se volatilisait sur le palier d'un immeuble dans la banlieue de Toulouse. Toutes ces années, sa famille a attendu que justice soit faite et que l'individu qui l'avait attaqué et tué soit démasqué, arrêté et jugé. Un rendez-vous qui n'est plus désormais qu'une affaire de mois pour la famille Escadellas, puisqu'un homme vient d'être renvoyé devant une cour d'assises. Joël Bourgeon, aujourd'hui âgé de 58 ans et qui nie les faits, avait depuis cette année 1986 refait sa vie, construit une famille. Il a finalement été rattrapé par la mémoire des témoins de l'époque. Du coup, les pièces du puzzle d'une enquête qui semblait à jamais enlisée, ces pièces ont retrouvé leur place. C'est cette enquête dans le passé d'une disparue que je vais vous raconter aujourd'hui. Pourquoi autant d'années pour peut-être confondre bientôt un coupable? Comment est-on passé si longtemps à côté de cet homme? Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de ce dossier. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Martine Escadellas, il y a exactement 35 ans, à l'hiver 1986, cette jeune femme disparaît dans une commune proche de Toulouse. Les traces laissées derrière elle augurent du pire des scénarios. Ce lundi 8 décembre 1986, aux alentours de 7h45, Martine Escadellas et son compagnon Thierry quittent leur appartement au numéro 12 de l'avenue Tolosane, dans la petite ville de Ramonville-Sainte-Agne. Martine dépose Thierry avec sa voiture à l'arrêt de bus face à la station Esso, puis elle revient dans l'appartement du troisième étage pour se changer et prendre un café. Elle en ressort vers 8h30 pour se rendre à son travail. Elle est secrétaire dans une entreprise de construction de maisons individuelles à Portée, à une quinzaine de kilomètres de Ramonville. Mais Martine n'a pas le temps de rejoindre sa voiture. Un homme l'attend un peu plus bas dans la cage d'escalier et l'empêche d'aller plus loin. Une locataire du quatrième étage perçoit alors des cris. Celle-ci se penche sur le palier, distingue plus bas uniquement les jambes d'une femme et le crâne dégarni d'un homme qui, dira-t-elle, était vêtu de façon démodée, sûrement quelqu'un âgé entre 40 et 50 ans. Le silence revient dans la cage d'escalier, la locataire rentre chez elle. Une heure plus tard, une femme de ménage, sans se poser la moindre question, nettoie les traces de sang dans l'escalier. En début d'après-midi, Thierry, le compagnon, essaie de joindre Martine. Elle ne s'est pas présentée à son travail. L'alerte est donnée à 16h30. Les gendarmes de la brigade de recherche de la compagnie Saint-Michel sont les premiers sur place dans la résidence de Ramonville. Il est détecté des traces de sang presque du troisième étage jusqu'à la cave de l'immeuble. Celle-ci est fermée par un cadenas, mais il est défectué. De toute évidence, l'agresseur a entraîné ici sa victime blessée ou morte. Les traces continuent dans le local à vélo, jusque sur le parking intérieur où Martine a sans doute été placée dans un véhicule. Mais personne n'a assisté à une telle scène. Les proches de la disparue, une jeune femme décrite comme discrète et craintive, ne lui connaissent pas de problème, ni à son travail, ni dans sa vie de couple. De nombreux témoins sont auditionnés. La gérante du Santa Fe, le bar voisin de la résidence, dit avoir aperçu ce matin-là un homme d'1m70 environ. Elle l'a remarqué. À cause de sa drôle de démarche, il boitait. Les investigations sont stériles. 3 ans après la disparition, 1989, un non-lieu est ordonné. Le dossier va toutefois être rouvert le 4 mars 1996 après l'émission Témoin numéro 1. Un chauffeur routier a affirmé avoir vu Martine Escadellas dans une maison close à Barcelone. La Guardia Civile est mobilisée, recherche vaine. La piste du tueur en série Patrice Allègre est également examinée de près par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse. Le signalement d'Allègre, cheveux longs frisés, 18 ans au moment des faits, ne correspond pas à l'homme trapu et d'âge mûr de la cage d'escalier. Les enquêteurs sont persuadés que le ravisseur et meurtrier de la secrétaire connaissait très bien les lieux, un familier sans doute.
L'ancien amant, Pierre C., connu pour agression sexuelle, fait figure de suspect idéal. Il est mis en examen pour homicide en 1999, puis mis hors de cause quelques mois plus tard. Parmi les dizaines de témoins entendus, figure un certain Joël Bourgeon, employé de l'administration, un ami du couple et un habitué de la résidence. Il a été questionné brièvement 9 jours après la disparition. Il a donné comme adresse celle de sa mère, alors qu'il a son propre logement. Personne n'a vérifié ses déclarations. 18 novembre 2008, voici donc un deuxième non-lieu. Et on va voir bien sûr ressurgir ce témoin, le témoin numéro 1, Joël Bourgeon, dans cette affaire. Mais ce sera bien des années plus tard, à un moment où l'affaire Escadilla semblait à jamais un cold case, une affaire classée. On va le voir dans les chapitres suivants. Pour l'instant, on va reprendre ces premiers pas de l'enquête et on va le faire avec notre premier invité, Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans l'heure du crime aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. Je signale que vous êtes en direct depuis le bureau de Toulouse avec Patrick Tégéraud, qu'on salue chaleureusement et qui va assurer aujourd'hui toutes ces liaisons téléphoniques capitales pour notre émission. Que donne cette scène d'enlèvement, de crime, de disparition? Les policiers sont tout de suite intrigués par ce qui se passe. Oui, ils sont intrigués. La première chose qui pose problème, c'est qu'ils sont prévenus très tard, puisque vous l'avez expliqué, Martine Escadillas disparaît dans la matinée du 8 décembre. Demain matin, ça fera 35 ans. Mmh. Et curieusement, malgré le sang qui a été laissé un peu partout dans l'escalier, personne ne préviendra les gendarmes avant le milieu de l'après-midi. Mmh. Et donc les premiers gendarmes qui arrivent sur place, ils arrivent autour de 16h30 quand en fait la sœur de Martine s'inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles. Mmh. Et vient voir et découvre la femme de ménage en train de nettoyer les traces de sang. Donc déjà, il y a un premier loupé à ce niveau-là, c'est que l'enquête démarre avec quelques heures de retard, ce qui va bien sûr gêner dans les constatations. Et sans oublier qu'on est à une époque, on est en 1986, où la police judiciaire n'a pas grand-chose à voir avec ce qui existe aujourd'hui, où les constatations ne sont pas réalisées avec la même rigueur. Et voilà. Et oui, donc les premiers jours de l'enquête, avec le recul qu'on a aujourd'hui, les premiers jours sont quand même un peu balbutiants, dirons-nous. Oui. Alors on le sait, Jean Coadon. On sait que quand une enquête démarre mal, elle devient très compliquée. Voilà, la suite est pas terrible. Encore un mot, Jean Coadon. Il y a beaucoup de sang quand même sur les lieux. Il y a beaucoup de sang dans l'escalier, il y a beaucoup de traces dans l'escalier sur plusieurs étages et surtout, il y a une très grosse tache de sang dans la cave. Oui. Alors la cave, elle est dans l'immeuble, dans un endroit qui n'est pas visible quand on ne connaît pas l'immeuble. Ce qui est une première piste pour les enquêteurs, c'est qu'ils se disent qu'il fallait connaître pour déposer le corps dans la cave. Il fallait connaître les lieux et ça c'est capital et on le verra dans la suite de cette enquête qui va s'étendre sur une trentaine d'années comme on l'a dit. Bonjour maître Frédéric David. Bonjour monsieur Richard. Merci beaucoup vous aussi d'être l'invité aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes également au bureau RTL de Toulouse qui accueille tous nos invités aujourd'hui. Vous êtes l'avocat de la partie civile, dirons-nous. Vous êtes l'avocat de la famille de Martine Escadillas. Ma question, elle est toute simple, maître David. Qui est Martine Escadillas, cette jeune secrétaire? C'est une jeune femme pleine de vie, très très appréciée par tout son entourage, que ce soit professionnel ou amical. C'est quelqu'un qui est, disons-le, fiancé avec un homme depuis déjà un certain temps, avec un groupe d'amis très très actif, auquel d'ailleurs on découvrira qu'il appartiendra Monsieur Bourgeon, et qui je disais plein de vie, c'est-à-dire effectivement quelqu'un de très rieur, de très ouvert. Ouais. Et de très apprécié. C'est un milieu amical, on peut le résumer comme ça. Vraiment beaucoup. Voilà, il y a pas de soucis, il y a pas de disputes, il y a pas de. Non, ce sont des jeunes qui font beaucoup du football, de la moto, d'ailleurs beaucoup de moto. Donc voilà, ce sont des gens heureux. À 24-25 ans, on est effectivement heureux et on est en train de peut-être de fabriquer une petite famille à venir. Maître Éric Mouton, bonjour.
Oui, bonjour. Merci beaucoup. Vous aussi, vous êtes évidemment en ligne dans l'heure du crime depuis le bureau de Toulouse, RTL. Alors, vous êtes l'avocat de Joël Bourgeon. On va évidemment revenir sur Joël Bourgeon très longuement dans cette émission. Je voudrais juste en quelques mots, il apparaît au début de l'enquête, il est brièvement interrogé. Il est ami avec ce couple et avec Martine et son compagnon. Oui, tout à fait, il est ami. Il a immédiatement indiqué lorsqu'il a été entendu comme témoin dans les jours qui ont suivi. Et il a toujours expliqué les choses de manière très claire, contrairement à ce qu'on tente d'expliquer aujourd'hui. Lorsqu'il s'est présenté devant les enquêteurs, il s'est présenté disponible, il a livré toutes les explications qu'il devait livrer. Et tout à l'heure, Jean Coidon indiquait que les moyens d'enquête de l'époque n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui. Moi, je le trouve assez gentil avec l'enquête qui, à l'époque, présente de graves carences. C'est-à-dire que, notamment, pour vous donner un seul exemple, Joël Bourgeon va donner son alibi pour cette journée. Et cet alibi ne sera jamais vérifié par les enquêteurs. Le personnel qui travaille avec lui ne sera jamais interrogé. Ils le seront, évidemment, 30 ans plus tard. Alors, vous pensez bien, quand on va aller demander 30 ans plus tard à son collègue de boulot s'il a pris le café avec Bourgeon le 8 décembre 86, vous pensez bien la réponse qui a pu être donnée. Et on va voir ça dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Dans tous les cas, il va falloir attendre 8 ans après le deuxième non-lieu pour que le dossier soit rouvert une troisième fois. Cette fois, un témoignage capital va permettre de retrouver un homme qui s'était depuis tout ce temps fondu dans le paysage. Le 18 janvier 2016, Patricia T., une amie de la famille Escadellas, décide d'adresser une longue lettre au procureur de la République de Toulouse. Cette femme n'a cessé depuis des années de se poser des questions sur ce crime qui l'a profondément bouleversée et sur l'attitude d'un homme qu'elle connaissait, un dénommé Joël Bourgeon, 23 ans au moment des faits, un âge qui ne correspond pas forcément à celui attribué jusque-là à l'individu qui a agressé et fait disparaître Martine. On pense plus celui-ci à plutôt la cinquantaine. Mais le témoignage de Patricia T. est tellement argumenté et troublant que les enquêteurs décident de l'examiner. Le 4 avril, elle est entendue par les enquêteurs. Elle indique que Joël Bourgeon, qui avait déclaré à l'époque habiter chez sa mère, logeait en fait à proximité de la résidence de Martine et de son compagnon Thierry. Il les connaissait très bien et leur rendait fréquemment visite. Le témoin ajoute des détails intrigants. Joël Bourgeon disposait, selon elle, d'un double des clés pour entrer dans l'immeuble, un lieu qui pouvait donc lui être familier et dont il connaissait les habitudes. Joël aurait également été secrètement amoureux de Martine, au point de ne pas cacher vraiment sa jalousie vis-à-vis de son compagnon. Cet homme aurait-il exercé des pressions de plus en plus fortes sur la victime pour qu'elle cède à ses avances? Patricia affirme que Martine Escadellas lui était apparue particulièrement inquiète quelques jours avant de disparaître. L'ancien compagnon de Martine, Thierry, est également interrogé au sujet de Joël Bourgeon. Il ne l'avait pas imaginé comme un suspect, mais il confirme que cet homme connaissait bien l'immeuble, y compris la cave. Il savait que le cadenas fermant la porte était purement factice. Thierry se souvient que l'ami du couple n'avait manifesté aucune empathie après la disparition et la probable mort de Martine. Une attitude qu'il avait tout à la fois trouvée cruelle et choquante. L'ex-compagnon de la disparue précise que Joël Bourgeon avait effectivement à cette époque une démarche claudiquante. Il souffrait d'une blessure au genou. Les enquêteurs s'interrogent encore sur le fait que dans les semaines suivant la disparition, Joël Bourgeon avait soudain quitté un emploi qu'il s'était démené à obtenir, agent territorial au lycée Déodat de Sévrac à Toulouse, pour déménager à Lyon, rejoindre Anne Patricia, une jeune fille qui n'avait pas tout à fait 16 ans. Le couple va rester 5 ans ensemble. Anne Patricia, retrouvée par les enquêteurs, livre sans difficulté un témoignage très détaillé. Elle raconte qu'au début de leur relation, Joël Bourgeon lui avait demandé d'adopter une coupe au carré et de se faire laisser pousser les ongles pour ressembler le plus possible à Martine Escadellas. Il lui avait confié qu'il trouvait Martine très belle et qu'il enviait le couple qu'elle formait avec son compagnon Thierry. Il s'était vanté de détenir les codes d'accès de l'immeuble et de s'y rendre en leur absence. La vie avec Joël Bourgeon était peu à peu devenue difficile, celui-ci se montrant de plus en plus jaloux, colérique et violent, au point de lever la main sur elle. Anne Patricia décrit son ancien compagnon comme un homme aux cheveux châtain clair mais qui s'habillait comme un vieux.
pouvant ainsi paraître plus âgé. Une autre témoin, Isabelle, indique que Joël avait des cheveux clairsemés et présentait un début de calvitie. Isabelle confirme l'attraction amoureuse de Joël Bourgeon pour Martine Escadellas. Et voilà qui fait beaucoup de points troublants et beaucoup de témoignages à l'encontre de cet ex-compagnon, de Joël Bourgeon. Anne-Patricia racontera plus tard une histoire de bijoux, mais on verra ça dans les chapitres suivants. Pour le moment, il y a ce témoignage très tardif. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi, c'est vous qui avez dans votre journal sorti cette information, ce témoignage presque de la dernière heure, dirons-nous. Pourquoi ça arrive si tard ? C'est une des surprises de ce dossier. C'est pourquoi, 30 ans après, au moment où la famille de Martine s'inquiète d'une possible prescription, pourquoi cette femme va prendre son stylo et écrire une longue lettre assez détaillée qui pose en fait des questions sur cette enquête qui n'a pas abouti, qui a rebondi déjà deux fois, qui a été clôturée. Et qui est un peu oublié, sauf pour la famille de Martine, et puis pour cette amie que tout le monde a un peu perdu de vue et qui se décide à écrire une lettre suffisamment troublante pour que le parquet décide de demander aux gendarmes de la section recherche de Toulouse d'essayer de voir s'il y a quelque chose à trouver. Ouais. Parce qu'au départ, 30 ans après, personne ne croit trop que ça soit encore possible de dénicher le vrai suspect. Oui, alors, mais en un mot, Jean Coadon, pourquoi elle s'exprime à ce moment-là, Patricia T. Qu'est-ce qu'elle répond à ça ? Parce que je suppose que ça a dû la torturer pendant des années, cette histoire, pour que d'un seul coup, elle décide de tout balancer, si je puis dire, au procureur. Elle explique que ça l'a toujours intriguée. Qu'elle s'est toujours posé des questions. Pourquoi elle se décide à ce moment-là d'écrire ? Personne ne le sait, ne l'a jamais exprimé. Depuis, elle était déjà un peu perturbée. Je crois que toute cette histoire a fini de la perturber encore davantage. Il avait été envisagé de la confronter à Joël Bourgeon. Ça n'a pas été possible. Maître Éric Mouton, vous êtes l'avocat de Joël Bourgeon. C'est une vraie surprise, cette lettre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté ? Vous êtes l'avocat du principal intéressé. Bon, je ne sais pas si c'est une surprise ou pas. En tout cas, cette lettre qui a été qualifiée de détaillée, moi, je la qualifie de complètement farfelue. Enfin, c'est invraisemblable, en réalité, qu'on ait pu donner le moindre crédit à ces allégations. Elle parle de tout, de rien, c'est n'importe quoi, ça arrive très tard. Il y a des choses invérifiables. Et puis surtout, comme ça vient d'être indiqué, ben nous, on a demandé à être confrontés à cette dame. Ouais. C'est quand même la moindre des choses. Alors qu'on maintient un homme en prison sur la base d'éléments dont une lettre assez farfelue. Et quand je demande à être confronté à cette dame, eh bien on nous explique que ce n'est pas possible parce qu'en effet, elle Pourquoi semble être dans un état hors d'état de pouvoir participer à une confrontation. Chacun se fera son opinion. Elle n'est pas en état psychologique, c'est ça hein, mais voilà, donc en tout cas, moi, je suis privé d'être confronté à celle qui D'accord. m'accuse. J'avais un certain nombre de questions à lui poser, mais on m'explique que ce n'est pas possible. Mais pour autant, on considère que cette lettre est parfaitement crédible. Donc, je ne sais pas comment on peut se sortir de cette difficulté. Maître Frédéric David, il y a eu une construction après cette lettre. Il y a une enquête qui démarre. Hein, et puis, on verra que la suite, l'affaire n'est pas terminée, mais il y a notamment l'ancienne compagne, Anne-Patricia, qui témoigne et qui était un petit peu cette lettre, c'est ça ? On peut le dire comme ça ? Oui, c'est exact. Enfin, moi, quand j'entends Maître Mouton parler d'une lettre au contenu farfelu, j'ai envie de sourire parce que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elle indique globalement aux gendarmes qu'ils se sont fourvoyés pendant tant d'années en s'étant fondés exclusivement sur le témoignage de cette voisine du dessus. Bien. Et témoignage qui s'est avéré complètement inexact. On le verra plus tard en cadre de l'instruction. Mais ce qui n'est pas farfelu, en revanche, c'est un certain nombre d'éléments qu'elle indique. Et pourquoi ils ne sont pas farfelus ? Parce que justement, le travail des enquêteurs est remarquable dans ce qui est fait a posteriori, parce que on se rend compte que point par point, ils vont aller chercher et trouver finalement ce qu'on appelle un faisceau d'indices graves et concordants. Alors chacun, et je comprends très bien ce que dit mon confrère Mouton, chaque indice pris comme ça à part
peut effectivement être moins discuté, mais quand vous avez 1 + 1 + 1 + 1 et ça fait quand même ce qu'on appelle un faisceau et qui vont tous dans le même sens. Ça oui, permet de ça dire fait... que cette lettre, elle n'est pas farfelue, vous comprenez ? Oui, tout à fait, je comprends. Jean Coadon, juste un petit mot avant les informations. Il n'y a pas de preuves dans ce dossier ? Il n'y a pas de preuves formelles, mais enfin, il y a énormément d'indices... qui se rejoignent. Très troublants, oui. On va dire. Des indices La défense considère qu'il n'y a pas de preuves, la partie civile et le juge d'instruction considèrent qu'il y en a beaucoup. Quand on essaye de regarder ce dossier de manière objective... on se rend compte que quand même il y a beaucoup de choses très troublantes au-delà des aveux de Joël Bourgeon lors de sa garde à vue. Et on va revenir effectivement sur cette audition de Joël Bourgeon qui va susciter bien des surprises. Pour l'instant, des témoignages tardifs mais concordants. 3 nouvelles années destinées à tout savoir de la vie passée de Joël Bourgeon. Plus d'autre choix que de questionner désormais ce témoin de la première importance. Le 22 janvier 2019, Joël Bourgeon, 56 ans, qui travaille comme formateur pour divers organismes, est interpellé près de Grenoble, la région où il réside avec son épouse et leurs 2 filles. Il ne montre aucune surprise à l'apparition des enquêteurs de la section de recherche. « C'est normal, vous faites votre boulot », dit-il. Il explique être nullement impliqué dans la disparition de Martine. Il admet qu'il était effectivement très proche du couple qu'elle formait avec Thierry, puis finit par confier qu'il était secrètement amoureux de la jeune femme. Après quelques heures de garde à vue, il raconte que le matin de la disparition, il s'est rendu à la résidence de Ramonville. Il voulait révéler à Martine que son compagnon l'a trompé et lui confier ses sentiments. Martine l'aurait éconduit et le ton serait monté, suffisamment pour qu'une violente dispute survienne. Bourgeon ne se souvient plus s'il a poussé ou frappé la jeune femme qui a tenté de s'échapper. Il l'a retrouvée sans vie dans le hall de l'immeuble. Le gardé à vue explique qu'il a placé le corps sous une bâche dans la cave. Il s'est lavé les mains dans le local à vélo. Il a ramassé les clés et le sac à main de la jeune femme. Bourgeon ne peut pas dire où il s'est ensuite débarrassé de la dépouille. Il ne s'en souvient plus. Ben nous, en fait, ça fait 32 ans que nous vivons avec cette douleur. 32 ans passés à nous interroger, à essayer de comprendre qui et surtout pourquoi. 32 ans et puis enfin un espoir. 24 janvier 2019, après 48 heures de garde à vue, Joël Bourgeon est mis en examen pour meurtre, placé en détention provisoire. Quelques jours plus tard, devant le juge d'instruction, le suspect numéro 1 revient sur ses aveux. Il explique avoir été placé sous pression lors de sa garde à vue. On lui aurait suggéré ses déclarations, voire même on lui aurait dicté tous ces mots qu'il a prononcés. Il affirme que les détails confondants qu'il a livrés, il l'a fait à cause des gendarmes. On lui a demandé d'inventer, on lui fait remarquer que s'il a rapidement craqué, seulement 4 heures et 12 minutes après le début de la garde à vue, Joël Bourgeon réaffirme que ses aveux lui ont été extorqués. Quand les enquêteurs lui disent qu'il sera sans doute conduit dans le lycée de Toulouse où il travaillait à l'époque, avec l'espoir que peut-être la mémoire lui revienne sur la journée du 8 décembre 1986, Joël Bourgeon rétorque « Je l'espère aussi ». Maître Éric Mouton, avocat de Joël Bourgeon, il revient sur ses aveux. Ce n'est pas la première personne mise en examen qui revient sur ses aveux. Ça se voit beaucoup quand même en matière pénale. Il a donné quand même beaucoup de détails lors de ce premier interrogatoire. Mais d'abord, ces fameux aveux, c'est pas moi qui dis, c'est le procureur de la République de l'époque, qui sont non circonstanciés. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous disiez au bout de 4 heures de garde à vue, non, ils interviennent beaucoup plus tard, après plusieurs interrogatoires au cours desquels il va contester les faits. Et enfin, moi, je considère que ces aveux sont en réalité plaqués. Ils sont plaqués sur des éléments qui existaient déjà dans le dossier. Et ils ne correspondent pas du tout à une version livrée de manière tout à fait spontanée, avec luxe de détails, avec un certain nombre d'éléments. Et d'ailleurs, une question qui se pose, s'ils se livrent, comme cela a été dit à plusieurs reprises, pourquoi ne donnent-ils pas le corps? Pourquoi n'expliquent pas où se trouve Martine? S'il est dans un souci de se délivrer et de se mettre en ordre avec sa conscience, il fait des aveux complets et non pas des espèces de pseudo-révélations qui sont en réalité plaquées sur des éléments du dossier. Je précise tout de même qu'il a demandé à plusieurs reprises, en tout cas c'est ce qu'il me disait,
a bénéficié de l'assistance d'un avocat. Il n'a jamais eu d'avocat. Alors, évidemment, on me dit en procédure qu'il ne l'a pas formalisé. En tout cas, ses déclarations ont été recueillies dans ce contexte qui est tout à fait particulier. Moi, quand je, quand je le trouve au tribunal, immédiatement, naturellement, il m'explique tout à fait autre chose que ce qui a été recueilli dans le cadre de, de ce huis clos de la garde à vue. Donc, alors, effectivement, ce sont des déclarations totalement divergentes. Maître Frédéric David, on a entendu la sœur de Martine dans ce petit son qu'on a passé. Pour les parties civiles, pour la famille de Martine Escadellas, il y a une certitude, c'est lui, c'est pas possible autrement, c'est ça ? Oui, une certitude, oui, en tout cas ils y croient beaucoup, au regard de ce que j'expliquais tout à l'heure, et principalement grâce à ce qu'ont réussi à trouver et à démontrer les gendarmes dans le cadre de l'enquête. Mais je voudrais juste revenir sur ce que dit mon confrère Mouton, cette question des aveux... pas du tout pertinent parce que Monsieur Bourgeon, comment dirais-je, il fait quelque chose qui est effectivement, c'est assez fréquent. On le trouve, comme vous le faisiez remarquer, des gardés à vue qui vont ensuite, lorsqu'ils sont présentés devant le juge d'instruction, revenir sur ce qu'ils ont déclaré en garde à vue. Là n'est pas tellement la question. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que et beaucoup plus singulier, c'est que Monsieur Bourgeon met en cause l'intégrité du juge d'instruction. C'est-à-dire qu'il ne dit pas seulement les gendarmes m'ont dicté les réponses, qui est totalement aberrant quand même. Il dit, le juge d'instruction s'étant déplacé pour le renouvellement de la garde à vue, il dit, vous aussi, monsieur, vous avez interféré dans ma liberté de parole, me dictant mes réponses, qui est une aberration, mais des plus complètes. Ouais. J'ajoute que tout est filmé. Et qu'il est assez facile, si on veut... De contrôler, effectivement, de vérifier. Et jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais été fait. Et ça n'a surtout jamais été demandé. Donc je pense qu'on ne pourra pas, dans le cadre de ce procès, faire l'économie de ce visionnage de cette garde à vue. Mais quand même, quand tout à l'heure vous disiez, Monsieur Richard, que ce monsieur avait un alibi et qu'on l'a jamais contrôlé, en tout cas c'est Maître Mouton qui le dit. Et on verra évidemment, parce qu'on a encore quelques chapitres à développer dans cette heure du crime. Le juge à ce moment-là prend bonne note du refus du suspect de s'exprimer. L'enquête ne s'arrête pas pour autant. L'ex-compagne de Joël Bourgeon va ainsi être réinterrogée et raconter un étonnant cadeau qu'elle avait reçu après la disparition. Après les aveux et rétractations de Joël Bourgeon, et même s'ils ont le sentiment de tenir le suspect principal du crime, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. La sœur de la disparue, Nicole Escadellas, ainsi que son compagnon de l'époque, Thierry, affirment tous deux que la jeune femme portait un certain nombre de bijoux, une montre, un bracelet de pierre de couleur turquoise et une bague en or, jamais retrouvée. Coup de théâtre, Anne Patricia, l'ex-compagne de Joël Bourgeon, évoque aussi ses bijoux. Elle raconte que 6 mois après la disparition, courant 87, Joël Bourgeon lui a offert successivement une montre, puis une bague trop grande pour elle. Elle l'a rapidement perdue. Elle avait été étonnée par ses soudains présents, surprise également parce que ses cadeaux n'étaient pas emballés. La description des bijoux correspond à ceux portés par la disparue. Le suspect conteste ses déclarations. Joël Bourgeon va réclamer régulièrement sa remise en liberté. Fin juillet 2021, après 2 ans et demi de détention, son avocat, maître Éric Mouton, dénonce devant la chambre de l'instruction un dossier qui n'avance pas. L'avocat général répond au cours de l'audience que la seule personne qui sait dans cette salle où se trouve le corps de Martine, cela reste monsieur Bourgeon. Amaigri, Joël Bourgeon dit lui avoir toujours tout assumé dans sa vie et assumera encore. « Je n'ai pas ôté la vie de Martine, ce n'est pas moi », clame-t-il, « je suis victime d'une erreur judiciaire, demande de mise en liberté, refusée ». Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Cette histoire de bijoux, je le disais, elle pèse lourd dans cette enquête, hein. C'est un élément important. C'est surtout un élément assez surprenant parce que, en fait, quand à partir du moment où Joël Bourgeon est revenu sur ses aveux, s'est posé la question de ce qui pouvait permettre de démontrer sa culpabilité. Et donc les gendarmes sont repartis un peu dans tous les sens, essayer de trouver des éléments. Et c'est vrai qu'un des éléments troublants de cette affaire, c'est le départ de Joël Bourgeon de Toulouse dans les mois qui ont suivi la disparition de Martine Escadellas. Il part de Toulouse pour retrouver une jeune fille qui a 16 ans, qui vit chez ses parents.
et qui dit elle-même, bon oui, c'était un amour de vacances, mais c'était pas, enfin, elle n'avait pas eu le sentiment que qu'elle vivait le grand amour, et elle a vu arriver Joël Bourgeon de manière assez surprenante, qui s'est un peu imposé. Et dans un deuxième temps, elle a raconté cette histoire de bijoux aux gendarmes. Mmh. Les gendarmes qui avaient essayé de voir avec les sœurs, enfin la famille de Martine, mais également avec son compagnon de l'époque, s'il y avait des éléments qui pouvaient les aider. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ces bijoux, et que la jeune femme qui avait été retrouvée à Lyon par Joël Bourgeon a dit « Mais oui, en effet, on m'a offert ces bijoux. » elle avait ce souvenir. Les bijoux, on ne les a pas. Donc la défense hurle en disant que tout ça, c'est un peu ridicule. Mais ça fait un élément de... C'est un indice de plus. Je comprends. Qui pèse dans la balance. Qui pèse dans la balance. Du mauvais côté pour l'accusé. Alors, maître Éric Mouton, avocat de Joël Bourgeon, en quelques mots, parce que je voudrais qu'on entende ensuite maître Frédéric David, on est un peu pris par le temps. En quelques mots, pourquoi il s'en va à Lyon, comme ça, tout de suite, quasiment après la disparition de Martine, votre client, Joël Bourgeon ? J'aime bien la formule de M. Coidon. Tout ce qui peut permettre d'établir la culpabilité de Bourgeon est bon à prendre. Et surtout, tordre la réalité d'un dossier. Il n'a absolument pas fui. On est en 86. Bourgeon est titularisé. Il a enfin son statut. On sait qu'il aime la menuiserie. On sait qu'il a des opportunités dans la région lyonnaise, et en plus il y mène une relation amoureuse avec cette jeune femme qu'il part rejoindre. Moi, ce qui me sidère, c'est que pendant 30 ans, personne n'a trouvé curieux que Bourgeon parte rejoindre cette jeune femme avec qui il a vécu quand même. C'est pas une amourette de vacances. Il a vécu avec elle. Pendant 30 ans, ça n'a choqué personne. Et aujourd'hui, quand on regarde cette relation, tout le monde considère qu'elle est complètement incroyable. Et que c'est troublant et que c'est incroyable. Alors, je prends pas parti, mais je suis assez d'accord avec vous sur cette parenthèse de 30 ans où on se pose pas vraiment de questions. Maître Frédéric David, vous défendez la famille de Martine Escadellas. En quelques mots, comment vous jugez ça, vous, cette espèce de retour à l'avant-scène de cet éloignement de cet homme qu'on n'a pas noté ? Personne l'a noté. Non, effectivement, mais parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gendarmes partent sur une fausse piste et vont rester sur cette fausse piste extrêmement longtemps, qui est le descriptif donné par cette voisine du dessus, en disant « je vois un homme d'une, entre 40 et 50 années, et surtout avec le crâne dégarni ». Donc à partir de là, pendant des années, on est convaincu que la personne, elle a entre 40 et 50 ans. Et donc on ne s'intéresse pas à cet homme. Mais quand j'entends Maître Mouton me dire qu'on tord la réalité, j'ai envie d'hurler, parce que enfin, quand même, on est en 86, c'est pas le plein emploi en France quand même, je crois. Voilà un monsieur qui est titularisé dans son métier d'agent territorial pour le compte de la fonction publique. Et qui s'en va, c'est ça que vous voulez dire. On va vous expliquer qu'il va faire de la menuiserie. On se moque de qui, là ? Eh bien, écoutez, on va voir ce que donnera l'enquête là-dessus, et notamment peut-être le procès à venir. En dépit des dénégations du suspect et du travail de ses avocats, le juge d'instruction va décider de renvoyer Joël Bourgeon devant une cour d'assises. Un procès qui devrait se tenir 36 ans après la disparition de la secrétaire. Novembre 2021, Joël Bourgeon, emprisonné depuis 3 ans et demi à la prison de Seyss, près de Toulouse, est renvoyé devant la cour d'assises de Haute-Garonne pour y être jugé du meurtre de Martine Escadellas. Ses avocats, maître Éric Mouton et Jean-Baptiste de Boyer-Montaigu, indiquent que le procès sera l'occasion de démontrer qu'il n'y a dans le dossier aucune preuve concrète. Les sœurs et le frère de la famille Escadellas pense au contraire que tout accable Bourgeon. Dès que les questions deviennent trop précises, il ne répond pas. Il ne sait pas, il ne sait plus, affirme Jean, le frère de Martine. Une famille qui attend avec impatience ce procès, mais espère surtout que l'on retrouvera un jour le corps de la disparue. Ces 30 dernières années, les enquêteurs ont conduit de nombreuses recherches pour retrouver la dépouille de la jeune secrétaire dans la maison de la commune d'Ampalo, là où Bourgeon avait vécu avec sa mère, derrière les murs du lycée Déodat de Sévrac où travaillait le suspect, et même dans la campagne de l'Aude. Sans résultat, le procès de Joël Bourgeon pourrait se tenir courant 2022. Alors évidemment, c'est un renvoi devant les assises. Le procès lui-même n'est pas formellement audiencé. Maître Éric Mouton, avocat de Joël Bourgeon, on va aller tout droit à ce procès d'assises. Dans quel état d'esprit aujourd'hui est votre client Joël Bourgeon, qui clame son innocence, je le rappelle ?
Bien qu'il soit fatigué par plus de 2 ans de détention, il reste combatif. Et on attend ce moment avec impatience, parce qu'il va quand même falloir que la cour d'assises et les jurés qui l'accompagnent m'expliquent comment on peut aujourd'hui condamner un homme pour un crime sans corps, sans mobile, sans preuve, sans ADN, sans scellé. Et tout à l'heure, il était question de faisceau d'indices. Moi, je ne vois pas de faisceau d'indices. Je vois un entrelac de certitudes alimentées par les gendarmes depuis le début de cette enquête. Mais je ne vois pas l'ombre d'une preuve. Donc ça m'inquiète qu'on puisse aujourd'hui envisager la culpabilité d'un homme dans ces conditions. Et vous aurez l'occasion, évidemment, de le dire à ce procès qui pourrait se tenir dans quelques mois. Maître Frédéric David, avocat de la partie civile de la famille de Martine Escadellas, et vous serez évidemment présent à ce procès. Qu'est-ce que attend la famille aujourd'hui? Ce procès. D'abord, est-ce qu'elle est soulagée, cette famille ? Monsieur, vous savez, ça fait 35 ans, ça fera 35 ans demain que cette famille se bat. Et je voudrais d'ailleurs saluer son courage et sa ténacité, parce que 35 ans pour la mémoire de leur sœur, c'est assez extraordinaire. Donc oui, elles ont un espoir inouï dans ce procès. Mais vous savez, au-delà de la culpabilité de cet homme, la seule chose qui les anime, la seule chose qui les habite depuis 35 ans, c'est savoir où se trouve le corps de leur sœur. C'est la question centrale. C'est cet homme qui, dans le cadre d'aveux qu'il critique, n'a même pas été capable de dire où il l'avait pu, ou ce qu'il avait pu en faire. Non, sans un certain cynisme d'ailleurs, parce que dans le cadre de ses propos, il dit « Oh, je l'ai pas mise dans la Garonne parce qu'un corps, ça flotte. Ah, je l'ai peut-être enterré à tel endroit. Ah, j'ai peut-être fait ceci. » Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc je voudrais qu'à un moment donné, peut-être, cet homme puisse imaginer la douleur de ce que ressent cette famille. Et on verra évidemment, ce procès sera l'occasion de le démontrer et de mettre tout ça sur la table. Jean Coadon, les derniers mots sont pour vous, journaliste à la Dépêche du Midi. On a cherché partout ce corps, hein, on ne l'a pas trouvé. On a cherché en 86. Dans la dernière enquête, celle qu'on évoque aujourd'hui, il y a eu une seule recherche, parce qu'un radiesthésiste a estimé que... a donné des indications et son sérieux a été jugé réel. Et donc on est allé chercher entre l'Aude et l'Ariège, dans un champ, on n'a rien trouvé. Donc en fait, le problème c'est que seule la personne qui a tué Martine est capable de dire où elle est. Joël Bourgeon s'y est toujours refusé. C'est le grand espoir de la famille de Martine Escadillas. Est-ce que le procès sera l'occasion de révélation? Je crois que la famille l'espère, je suis moins convaincu. C'est une histoire qui a marqué hein, la région de Toulouse et qui est encore très présente malgré 35 ans. La mémoire, elle est toujours vive là-dessus, hein, la mémoire criminelle. Bien sûr, parce que cette affaire, vous l'avez expliqué au départ, elle a été ouverte deux fois. C'est la troisième instruction qui vient d'être clôturée. Deux fois déjà, un juge d'instruction a essayé de comprendre et il n'y a pas eu de réponse. Bien sûr. Et là, il y en a une. Elle est peut-être imparfaite, mais elle a quand même quelques intérêts. La famille, c'est important. Bien sûr, elle est peut-être partielle, cette réponse, mais on aura encore une fois l'occasion d'en discuter lors du procès aux assises. Merci beaucoup Jean Coadon, maître Frédéric David, maître Éric Mouton et Patrick Tégéro d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.